putain de merde. C'est chaud, j'ai presque plus de vie, j'ai joué comme un gros bœuf. Putain de merde. Donc bonjour ou bonsoir, oulala, il est où? Donc bonjour ou bonsoir, c'est Revan. Oh putain, oh là, esquisse parfaite. On se retrouve sur Spider-Man ou Marvel Spider-Man. Voilà, la nouvelle adaptation vidéoludique de la Maraignée. Et là, je suis dans un petit mode de jeu. Enfin, dans un petit mode de jeu, non, c'est pas un mode de jeu. Dans un petit truc secondaire à faire, un mode base. Dans lequel il faut que je batte tous les ennemis. Ça, ils viennent par vague, hein. Et voilà. Ouais, j'ai gagné des jetons de base, génial. Oh putain, là j'étais chaud parce que j'ai... Les lance-roquettes, ils m'ont bien niqué. Toutes leurs armes vous attendent comme un tas de cadeaux au pied du sapin. Voilà, d'ailleurs, comme vous pouvez entendre, c'est la voix de Donald Renew, hein, n'est-ce pas? Voilà, je suis content que c'est lui qui fasse la voix, parce que c'est un comédien de doublage, hein, restons polis, que j'aime beaucoup, très sincèrement. La première fois que... Enfin, la première fois. Je l'ai beaucoup aimé dans Malcolm, quand il a repris le rôle de Reese, parce que je crois qu'il est arrivé qu'à partir de la saison 3. Ah, Malcolm, c'est une série fantastique. Il fait aussi Titeuf, Connor dans D3, Deathline dans Infamous Second Son. Bref, il est très connu. Il est très connu pour son doublage. Et j'aime beaucoup, donc voilà. Je suis content que c'est lui qui fasse Spider-Man. D'ailleurs, c'est lui qui faisait aussi dans les films. Hein, il était la voix attitrée, je crois, de Spider-Man dans les films. Enfin, à partir de Amazing Spider-Man. Il me semble, hein, pour les voix françaises. Attendez, attendez, attendez. Oulala, oulala, parce que attendez, j'ai des objectifs, moi, monsieur. Voilà, donc, tac, j'ai pris ça. Donc, allez, donc on va descendre ici. Et je vais aller faire la photo comme ça. Ouais, donc je vous ai pas dit. Donc, on se retrouve pour une petite séance de gameplay comme ça sur ce Spider-Man. Histoire de. Voilà. Passer du bon temps ensemble, n'est-ce pas? Pour l'instant, de ce que je fais, j'aime beaucoup. Le fait qu'il nous oblige à faire comment ça s'appelle? Les activités annexes. Comme là, ce que je viens de finir devant vous, hein, les prises de base. On va appeler ça comme ça. C'est pour gagner des jetons qui nous permettront d'améliorer nos armes, nos gadgets. Le petit Spidey ou alors des tenues. Voilà, et pour faire ça, il faut faire les activités qu'ils nous proposent. Comme prendre les photos. J'ai déjà fait tous les. Comment ça s'appelle? Une petite leçon de vocabulaire juste pour vous. J'avais déjà. Excusez-moi, putain. Désolé, j'ai eu un petit trou, une petite absence là. Ouais, il disait, j'ai déjà fait tous les sacs à dos dans ma partie du jeu. Et là, pour savoir où j'en suis dans le jeu, on va rester flou parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Hein. Et je pense pas qu'on fera de l'histoire, hein. C'est juste du gameplay pur, hein, que je vais vous proposer. Voilà, alors ça, c'est un truc qu'on débloque dans le jeu, c'est l'activité des photos. Faudra prendre certains. Mes photos, elles sont dégueulasses, hein. Mais bon, hop. Ce qui compte, c'est de prendre le jeton monument. Voilà. Ouais, je vous disais, je pense pas que je ferai de l'histoire, hein. Je vais surtout m'occuper de faire ce que j'ai à faire. Donc là, attendez, on va y aller, on va faire le repère de Fisk. Voilà, pour gagner des jetons de base x3. D'ailleurs, maintenant qu'on est dans les menus, dans la carte, je vais m'en profiter pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a. Alors, les tenues qui se débloquent toujours avec les jetons que je vous ai dit, hein, que vous pouvez voir en bas sur la gauche, là, côté de ressources, les différents jetons qu'on peut trouver. Alors, les jetons de recherche... Je sais où ça se trouve, ça c'est dans le repère d'Octavius. Je vous apprends rien, c'est au début du jeu, c'est le début du jeu, donc voilà quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas encore accès. Les jetons de monument, faut prendre des photos. Les jetons avec le drapeau en rouge, c'est comment ça s'appelle? C'est les bases qu'il faut prendre de Fisk, hein, ce que je vais faire là. Les trucs, les triangles, les panneaux de signalisation, là, attention. Les trucs, les signes, les logos, attention, là. C'est dans la ville, des fois, vous entendrez il faudra aider les flics à résoudre, à taper à arrêter les braquages, des voitures folles, des trucs comme ça et tout. L'autre, à côté, je sais pas ce que c'est. Et le vert. Je passe 10 000 ans sur ce menu alors qu'on s'en fout. Alors les tenues. Alors ça c'est... je peux pas encore la débloquer. Regardez, des jetons de recherche, il m'en faut deux, j'en ai pas. Ça c'est votre tenue. Après le début du jeu. Bon allez, c'est pour ça qu'il change de tenue, hein, il la renforce. D'ailleurs cette tenue là avec l'araignée blanche et tout. Je suis un peu déçu de la manière dont il la récupère en fait. Si vous voulez, je m'attendais à beaucoup plus d'histoire, mais en fait non, c'est assez décevant quoi. Mais bon, ça gêne pas ça gêne pas le gameplay ou quoi que ce soit, c'est juste décevant. J'aurais mis une petite histoire derrière ce costume, vous voyez. Ça, c'est le costume de base qu'on a. Hein.
voyez. Et vous, comme vous pouvez voir aussi, c'est affilié à cette tenue des blocs aussi, explosion de toile. C'est un spécial qu'on peut utiliser une fois que notre jauge de je sais plus quoi elle est remplie. Désolé, hein. Je fais ça assez sur le tard, donc voilà. Le Spider-Man noir, voilà, rien de raciste, hein, c'est son nom, costume Spider-Man noir. Voilà, les ennemis en alerte n'appellent plus de renfort. Ça, c'est pas mal, ça aussi. Voilà, tenue débloquée. La tenue de Scarlet Spider. Oh yeah. Voilà, ça que j'ai débloqué aussi pour avoir. Ça, elles sont spéciales, c'est des hologrammes. Bon, enfin, je vous les montre juste, hein, celles que j'ai débloquées pour l'instant. On va pas me passer des heures. Voilà, ça le but. Voilà, là, il manquait un jeton de recherche que j'ai toujours pas. De toute façon, je peux pas le débloquer. La tenue du film. Voilà, hop. Ça, je sais pas quelle tenue c'est, peut-être de tenue secrétaire. D'accord, ok, très bien. Oui, parce que moi je suis pas très un gros connaisseur de Spider-Man, hein, ni de comics en général. Voilà, si les jeux me parlent, si ça a l'air bien, j'achète. Hein, par exemple, j'ai les jeux Batman et tout, ça avait l'air super, donc je les ai pris. Infamous, même si c'est pas sur un comics dédié Marvel ou DC, mais bon, voilà quoi. C'est Spider-Man, je suis une bille, hein. Très sincèrement. Je regardais la série quand j'étais plus jeune, les années 90. Série des années 90. Ça, c'est des tenues DLC. Voilà, toujours bon à prendre. Hein. On m'a déjà débloqué des trucs. Cette tenue, je la trouve dégueulasse. Iron Spider, elle est dégueulasse. Voilà, costume vélocité, d'accord, si tu veux. Si tu fais du vélo dans la cité, si tu veux. Et ça, c'est le costume une fois que vous avez trouvé tous les sacs enfin, tous les sacs à dos de quoi il s'appelle? De Peter, voilà. Alors là, vous avez les compétences, machin et tout. Tac, les gars, je passe des heures dessus, désolé. Alors, les gadgets, d'ailleurs, faudra que je regarde. Envoie une vague d'ondes Sonic. Je tourne des défis, j'en ai aucun. Pour l'instant, j'ai pas débloqué les défis. Ça, c'est ce que j'ai débloqué pour l'instant. D'ailleurs, j'ai trois points de compétences à utiliser. Ulala. Voilà, hop, donc voilà, tac, les missions, pour l'instant j'en ai qu'une, la principale, tac. Je suis passé vite, je me rends compte de ma boulette, bon petit spoiler. Voilà les différents trucs que j'ai. Tac, 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 je vous montre un peu les menus. Tu, les jalons. D'accord, ça j'avais jamais remarqué, réussi, c'est 25 combos de 50 coups. Ouh, d'accord, récompense 50 XP, d'accord, si tu veux. Les différents personnages. Avec MJ, yeah! L'agence tout fisc, voilà, tac. Donc voilà, petit tour dans les menus. Désolé, ça a pris du temps, c'est pas ce que je voulais. Donc là, on va aller faire ça, tac. Donc voilà, ouais, je vous disais, je suis pas familier moi avec l'univers de Spider-Man. Hein, je lis pas de comics. Enfin, si, j'en ai lu un. J'ai lu le, je, en un temps, j'ai, comment dire, j'ai collectionné les Flash. De comment il s'appelle? Les flashs des New 52 chez DC. Grosse erreur de ma part. Non pas que c'est mauvais, mais c'est-à-dire que si vous connaissez pas direct. Hey, dodo. Yori, merde. Si cet endroit est rempli d'hommes de main de fisc, avec des boss sous leurs vêtements. Enfin, je parle si d'armes vous, ouais, cachées, je vous hein, disais, pour les. Je peux pas Pour les New 52, si vous connaissez pas au moins l'histoire un peu de Flash, c'est une intuition, hein. Y a rien qui est expliqué. Y a rien qui est des troubles à expliqué. l'ordre public assez rapidement. Voilà, on va essayer de faire ça à la discrétion. Mais on vient là, mon. J'ai jamais joué au disque là, d'habitude, moi je trouve dans le temps. Je me suis fait repérer. Spider-Man! Et là. Voilà. Voilà, moi je me fais repérer comme un grand devant tout le monde. Voilà, hop, un petit peu de combat. Ouais, je vous disais donc, ouais, pour le Flash des New 52, sincèrement, quand on connaît pas Flash, un peu son univers et tout, c'est assez perturbant parce qu'il y a rien qui est expliqué. C'est comme si le lecteur savait déjà tout ce qu'il fallait savoir sur l'univers de Flash. Alors que, bon, moi je pensais, comme c'était un recommencement, je pensais que c'était. Hop! Oh putain, ta mère. Oh, pfff! Ouais, je vous disais, comme c'était un recommencement, je pensais que bon, ça allait expliquer et tout, mais en fait, que dalle. Que dalle du tout. Hop! Voilà, hop, hop! Un petit achèvement comme ça.
Ah, parce que je suis plus fort, je suis Spider-Man. Hop. Oh, il y a l'équipe d'Eric. Alors, plus récemment, j'ai regardé les vidéos de Link the Sun, hein, qui parlait un peu de l'univers de Spider-Man, hein, les méchants, les méchants les plus pourris, les méchants de Spider-Man, tout ça. Et hop, voilà. Hop. Oh putain, vite. Oh putain, l'enculé. Il a failli m'avoir, le salopard. Ouais, donc je vous disais comme ça. Après, en ce qui concerne les jeux, j'ai fait Dimension. Enfin, j'ai à peine joué à Dimension, hein. Spider-Man Dimension, qui était sorti. Oh. Voilà, hop. Nickel, et voilà, ça c'est du bien jouage. Je devrais peut-être m'occuper d'abord de celui qui a du flingue en haut. Oh putain. Ok, je l'ai vu au dernier moment. J'oublierai personne, promis. Voilà, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon ulti. Ouais, je vous disais, donc Spider-Man Dimension. Mais le Spider-Man que j'ai fini et que j'ai fait, bon, parce qu'il était court aussi, c'est le Spider-Man étiré du premier film de Sam Raimi, Spider-Man 1, que j'avais sur GameCube, je m'en souviens, et que j'avais kiffé. Déjà, le film, j'avais kiffé, c'était l'un de mes films préférés, hein, je le regardais en boucle. Tellement que j'avais kiffé. Oh putain, ah non, c'est bon, je vais pas faire ça. Ouais, je vous disais, le premier film de Sam Raimi, j'ai bien aimé. Oh, bogasse. Ouais, toutes ces activités, elles ont une petite histoire derrière. Hein. Hop. C'est peut-être là que Fisk garde tout son liquide. Il faut mettre fin à tout ça. On va lui mettre la pression. Voilà, eux, il faut le passer en dessous. Voilà. Ouais, je vous disais, donc le premier film de Sam Raimi, je l'avais adoré et tout. Le jeu, c'était pareil. Je le kiffais. Malgré qu'il soit pas très long, hein. Peut-être 4-5 heures, il était fini. Dommage. Et après, les autres jeux tirés des films, je les ai pas faits. Je sais pas, plus intéressé, je sais pas quoi, malgré que j'ai vu les autres films. Hein. Spider-Man 2, parce que là je vous dis de mémoire, parce que ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Spider-Man 2, ouais, j'avais bien aimé. Spider-Man 3, j'étais un peu plus mitigé dessus. Enfin, mitigé. Je sais pas, il m'a pas laissé tant de souvenirs que ça. Voilà, c'est ça que j'entends par mitigé. Oh, il m'a pas laissé tant de souvenirs. Hop. Oh, calmez-vous les gars. Ah, ça tombe bien. Je commençais à en avoir un peu marre des Ah bah oui, moi aussi. Putain, par contre j'espère qu'il n'y a pas de lance-roquettes parce qu'il me nique. Après les Amazing Spider-Man qui sont sortis hein, au ciné. Putain vite, on se casse en faisant des gaudrioles. Voilà, hop. Attention. Voilà, le pouvoir ça nous aide pas mal. J'aurais dû filmer ça. Voilà, ouais, plus tout à fait, Spidey. Et voilà, c'est dernière bon, vague, merde. Inconditionnel pour ces types envers Willy. Au point de venir quémander des tatanes. Voilà, hop, Spider-Man toujours dans son, avec son humour. Putain, attendez, je vais peut-être me remettre de la vie. Ouais, en appuyant sur la flèche du bord, on peut se remettre de la vie. Oh non, non, non. Putain. Ah, j'aurais dû la prendre et me casser. Voilà, hop. Attendez, il faut passer en dessous. Aïe. Hop. Hop. Ouf. Putain, je l'ai esquivé au dernier moment. C'est ce qu'on appelle une esquive parfaite. Voilà, hop. Allez, nickel, je les envoie en l'air. Ouais, je vous disais, le premier. Pareil, hein. J'avais pas trouvé dégueulasse, mais il m'a pas laissé tant de souvenirs que ça, hein. Ça se laissait regarder. Par contre, le 2, je m'en souviens, j'ai bien aimé. Avec Electro, tout ça. Franchement, je l'avais bien aimé. Et surtout, c'est qu'avec ces... Parce que moi, comme je vous ai dit, hein, je suis pas un fan. Je suis pas les comics. Bon, le fait que Gwen Stacy, elle meurt... ça m'avait un peu choqué, je m'attendais pas à ça. Hop. Mais bon, vu que c'est un élément connu des comics... Oh putain, désolé, je suis obligé de faire ça parce que là... Voilà. Voilà, heureusement, il n'y a pas trop de méchants. Ouais, je vous disais, moi... Hop. Voilà. Moi j'étais pas au courant. Donc assez surprenant. Et puis après bon j'ai pris. Comme je vous disais, hein, j'ai appris que c'était un élément récurrent des comics. Enfin. C'était une histoire connue. Et voilà, je me suis fait niquer. Oh putain. Je m'en remets un peu de vie. Hop. Non, ça marche pas. On fait un passage de jambes. Eh, tu connais celle-là? Et voilà, bon, bah nickel. Hop. J'ai terminé le repère de Fisk. Nickel, donc j'ai récupéré mes petits jetons.
Les fous du roi. Aucune résistance ici. C'est le nom et du trophée que je viens de débloquer. Continue d'enchaîner les déconvenus. Bien joué. Ah, et regardez la boss qu'on voit en fond. Attention, c'est peut-être c'est pas un spoiler. Chantier, Fisk. Le grand. Ah, eh ouais, la tour des Avengers. De franchement, ça m'a surpris quand je l'ai vu. Hein. J'étais en train de me balader comme ça, j'ai mes petits trucs et tout. Et. Dommage pour Fisk. Je vois le logo des Avengers. J'ai fait, ah, d'accord, quand même, ils l'ont mis. Je suppose que tu t'amuses bien. Willy, tu vas rire. Willy, faut sauver Willy. Non, lui, je pense pas. Je pense pas que lui il soit sauvable. Pour résumer, le chantier Fisk est fermé. Même si, moi en fait, le Caïd, donc c'est vrai qu'il était dans la série de 92, mais bon, c'est peut-être en fait le fait que j'ai regardé aussi la série Daredevil, bon, c'est l'ennemi, c'est l'un des ennemis principaux, hein, là, joué par Vincent D'Onofrio. La première fois que j'ai vu ce mec, c'était Vincent D'Onofrio, je l'ai connu dans. Bon, bah Men in Black évidemment, mais je savais pas que c'était lui. Je connaissais pas encore les noms d'acteurs, tout ça, donc voilà quoi, je savais pas que c'était lui. Hop. Mais si c'était dans le New York, pas police judiciaire, New York, section criminelle, voilà. Je l'aimais bien dans son rôle, c'est des séries que j'aimais bien regarder. Surtout, je me souviens, ça passait vers 4h et tout, c'était mon petit rendez-vous de l'après-midi, j'aimais bien voir ça. Voilà. Ça date pas de longtemps, ça date. Je sais même pas, parce qu'en fait, très honnêtement, depuis qu'on est passé à la TNT HD, là, en 2015-2016, je regarde plus la télé, donc je. Et ça me manque pas, c'est pas un manque que j'ai. Voilà. Mais d'ailleurs, pourquoi pas une série Spider-Man? Bah non, parce qu'il a déjà des films, Spider-Man. Bon, le Homecoming. Le Spider-Man Homecoming, si on peut en parler. On peut en parler. Je l'ai pas vu. Mec, bah on peut en parler. Ouais, je l'ai pas vu. Donc ouais, c'est peut-être qu'il faut que je rattrape mon retard, mais il y a rien qui me donne envie de le voir en fait, si vous voulez, ce film. Regardez déjà un petit effort qu'ils ont fait les développeurs, hein. Ils ont modélisé quand même les, on peut voir à l'intérieur des vitres. Même si bon, ils se sont pas fait chier, hein. Il doit y avoir 47 millions de même plus de vitres, hein. Ça doit être tout le temps la même chose à l'intérieur, mais c'est un effort appréciable. Voilà. Et on peut pas les casser et tout, mais voilà quoi, c'est dommage. Donc ouais, niveau histoire là dans le jeu, si vous voulez, je sais pas si vous avez eu le temps de lire, hein, ou peut-être vous avez appuyé sur pause pour voir. Si vous avez pas, si vous êtes pas vite passé dessus quand j'étais dans le menu, j'en suis. Ah bah tiens, une activité, on va faire ça, un jeton de crime. J'en suis après le musée. Voilà. Comme ça c'est assez flou et pour ceux qui connaissent le jeu qui sont en train de le faire. Savent de quoi je parle. Bon, moi je vais faire à la bourrin. Je peux pas les laisser s'en prendre à cette personne. Non, tu t'en parteras pas sur personne, salope. Oh. Vous voulez vous battre? Vous avez de la chance. Voilà, hop, j'ai vu esquiver son coup. Ouais, quand il y a son sens d'araignée qui s'active, il faut appuyer sur la touche rond pour esquiver. Ce que je viens pas de faire là du tout. Par contre, il n'y a pas de système de lock et c'est dommage. Voilà, il y a ce système là, mais bon, il est tout pourri. Voilà, ça indique que je l'ai fini. Nickel. J'ai pas fait le petit défi là, c'est 3 dégâts sur les ennemis. Qu'il faut pas frapper les gens. Donc voilà, un jeton de crime, hein, qui me permettra d'améliorer tout ça. Voilà, donc attendez. Donc sur la map, j'étais en train de redescendre par là. Donc allez, on va faire la petite photo qu'il faut faire là-bas. Voilà, après j'irai vers ma mission principale. j'en profite pour me débarrasser des trucs des à côté, tout ça. Hein. Mais regardez, il y a de la vie et tout, franchement, c'est génial. Hein. Très honnêtement, l'échelle, je sais pas quelle échelle c'est, mais franchement, j'ai vraiment la sensation d'immensité, quoi. Le fait qu'il y a peu de vie, là, voilà, le fait qu'il y ait des passants et tout, ils auraient très bien pu faire sans passant, tout ça. Hein. Mais non, franchement, regardez-moi ça. Ah, franchement, il y a un souffle, il y a quelque chose. Il y a une âme, quoi, voilà, dans cette ville. En plus, bon, le jeu, d'après ce que j'ai pu voir, il se passe que sur l'île de Manhattan. Hein. On pourrait pas aller dans New York. Hop. Enfin, c'est New York. Vous m'avez compris. Voilà, quoi. Voilà. Alors, désolé les flics, hein. Mais faut que je prenne des photos, c'est pour m'améliorer. C'est le plus important. Donc, voilà. Hop. Putain, c'est quoi cette photo de merde? Bon, tant pis. C'est pour ça rapporte les points, ça fait les 100 XP, les points. On est content. Attendez, qu'est-ce que j'ai? Ouais, bon, les 100 XP. Voilà, alors il y avait un crime. On va prendre ce bâtiment. Comme je vous ai dit, hein,
Je descends, je prends les photos, et je fais les activités qu'il propose. Parce que attends, il est où mon point? Là-bas, ah bah nickel! Donc on va faire toute cette rangée-là. Bon, je crois que je vais quitter avant, hein, je vous montrerai pas tout. Parce que ça pourrait être redondant. On va voir, vous savez quoi, je vais faire... hop, on va passer là. Voilà, on va passer par là. S'il y a des activités annexes, des crimes à résoudre, on ira. Sinon, bah... on se quittera plus tôt, n'est-ce pas? J'avais envie de vous faire une petite vidéo de gameplay, comme ça. Voilà, ça me fait plaisir. C'est pour moi. Nénénénéné. Ouais, Spider-Man. Putain, il faut que je range l'appareil photo à chaque fois, je l'oublie. Excusez-moi, mais... ouah! Ils ont voulu tuer Spider-Man, les salauds! Voilà. Vous pouvez prendre aussi des photos dans les airs, hein. Hop. La tour Fisk. À leur place, voilà. Je réfléchirai à un autre nom. Oui, effectivement. Alors comme vous voyez, L1R1 c'est pour pouvoir prendre des objets et les balancer. C'est des objets qu'on peut atteindre avec nos toiles. Voilà, tac. Il est où? Là-bas. Allez, vas-y. Voilà, on se dirige là-bas. Ouais, alors je vous avais parlé de tout ça. Hein. Oui, qu'il fallait que je rattrape le dernier Spider-Man qui est sorti au ciné Homecoming. Mais bon, je sais pas, il m'avait pas l'air très intéressant. J'avais pas très envie de le voir. Quoi. C'est pas une priorité, ça n'en sera pas une, mais bon. À l'occasion, si j'ai le moyen de le voir. Parce que alors moi, j'ai un truc, c'est que quand je joue à un jeu, je suis à fond dedans. Si le jeu m'intéresse, hein, évidemment. Attends, c'est quoi qu'il faut que je prenne en photo? Ah. Impec. Voilà. Ouais, je vous disais, j'aime bien rester dans l'univers du jeu. Je vais, par exemple, là, ce Spider-Man, je sais qu'il y a moyen que je me mate des films Spider-Man, que je cherche des trucs sur lui, sur YouTube ou sur Internet, en apprendre un peu plus sur son univers et tout. Moi, je suis comme ça, moi. Je joue, bon, sans vouloir insulter personne, mais j'allais dire l'autiste. Voilà, sans vouloir choquer ou quoi que ce soit. Je suis à fond dans mon truc, voilà. J'aime rester dans cet univers. Par exemple, là, je me suis aussi acheté Dragon Quest 11, que je me ferai sûrement après... après lui, bah, pareil, si le jeu me plaît, bah, je resterai dans mon délire. Hop. Belle composition. Donc voilà, j'aime bien rester dans... je sais pas, j'aime bien en avoir plus, quoi. Rester dans le même mood pendant un temps, quand je joue à un jeu. Bon, je mets quand même un repère, mais il est juste à côté, hein, on sait jamais. Donc voilà. Bon, bah, pour l'instant, ça va, y a pas trop de crimes. On pourra peut-être aller voir putain, les photos pourries que je fais. Je sais pas à quoi ça sert, très honnêtement, mis à part nous dire « vas-y, regarde, fais ça !» On a préparé plein de trucs annexes tout pourris, que ça, normalement, tu fais pas, hein, mis à part pour le si tu veux faire le platine. Je me souviens que je m'étais bien fait chier avec les plumes d'Assassin's Creed 2 et tout. C'est le seul Assassin's Creed où j'ai le platine. Joli. Attends, est-ce que j'ai d'autres platines? Non, 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 c'est le seul platine que j'ai, Assassin's Creed 2. Mais j'avais kiffé ce jeu, j'étais à fond dessus. Je l'ai geeké, mais comme jamais. Et puis franchement, les révélations que t'as dans ce jeu, oh là là, ça te retourne le cerveau. Hop. Mais c'était bien chiant quand même. Ah si, bah il y avait un autre jeu aussi, c'était les magazines de... Ah oh, mais d'accord, c'est le stade là ou je sais pas quoi. Les magazines dans Mafia 2 aussi qui étaient bien chiants parce qu'il y en avait certains. Laisse tomber, tu devais passer sur l'autoroute, faire écraser sur un panneau. Enfin bref, c'était assez chelou. Alors, tac, on prend. Désolé, messieurs, dames. Hein. Square Station. Magnifique. Voilà, comme il dit Spidey, magnifique. Magnifique, ma chérie. Voilà, alors hop, on va prendre ça. Bon, bah j'ai fait toutes les photos là, il s'est rien passé. J'ai pas eu d'appel de la police. J'ai pas capté d'appel de détresse. C'est bizarre ça. Et puis la sensation que... ouais, la sensation qu'on a là en se baladant, en voltigeant avec le Spidey, franchement, c'est excellent. Même si ce sentiment là de grisant, de liberté, tout ça, je l'ai un peu ressenti, enfin je l'ai ressenti avec l'attaque des Titans 2, avec l'équipement tridimensionnel. Désolé si je bafouille un petit peu. Superbe. Franchement, j'ai trouvé ça bien kiffant quoi. Bon bah écoutez, il s'est rien passé là, qu'est-ce qui se passe, messieurs les criminels? Veuillez criminaliser... Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Fist. Hein, je me demande ce que je peux... Alors, rien de dégueulasse, hein, que vous pouvez voir, en plus Fist, ça s'écrit F-E-A-S-T. Je sais plus ce que ça veut dire. Je me souviens plus.
Bon bah écoute. Ah, j'ai oublié un bâtiment là. Allez, on va remonter, on va le faire. Voilà. Voilà. 407 mètres, bon, c'est pas assez loin. Bon, alors je me doute bien que là c'est pas une partie très palpitante. Hein. Mais bon, j'ai pu vous montrer un peu de combat. Hein, je suis content, voilà. Hop, tac. Et là, bon, juste du. Ça, c'est l'une des activités que vous pouvez faire. Comme je vous ai dit, j'ai pas tout débloqué. Hop. Par contre, ah oui, il y a un truc que j'ai bien aimé. Attention, peut-être peut falloir tout. Mais alors, la plupart du temps, on incarne Spider-Man. Mais il y a aussi des phases avec Peter Parker. Bon, rien de très compliqué, mais voilà. Mais c'est sympa de voir un peu plus Peter Parker dans le jeu, quoi. Parce que dans les anciennes adaptations, c'est Spider-Man, Spider-Man, quoi. Voilà, là, ils ont voulu faire un développement de personnage et tout. Mais je me demande à quoi ça va aboutir. Très honnêtement, je me pose des questions. Parce que là, on apprend... Ah, le Daily Bugle, ok. Daily Bugle. Un excellent journal. Surtout depuis que Jameson est parti. Ouais, je vous disais, je me demande où ça va aller. Parce qu'en fait, si vous voulez, on apprend que dans ce jeu-là, en fait, Spider-Man, ça fait 8 ans qu'il est Spider-Man, en fait. Donc il a déjà vécu des choses. Les ennemis, il s'en est déjà tapé. Hein. Attention, spoiler. Parce que je vous ai pas dit, mais je me suis tapé aucun trailer. Hein. J'ai jamais regardé de trailer du jeu et tout. Quand je sais qu'il y a un jeu qui m'intéresse, ça aussi, par exemple, bah, je regarde plus aucun trailer, plus aucune image de gameplay, machin et tout. Je sais que j'ai envie de le faire, bah, je regarde plus rien. Voilà. Je me coupe du monde. Voilà. Donc, attends, ça, je sais pas à quoi ça va servir. Vous savez quoi, on va aller vers la... Vers Octavius Industries, peut-être que je peux débloquer des points de... Parce qu'il y a des petits jeux des petites énigmes à faire. Ça m'a surpris, je m'attendais pas. Ouais. Bon, c'est avec Peter Parker, évidemment, le scientifique. Hop. D'ailleurs, il y a la tour des Avengers. Est-ce qu'il y aurait des petites apparitions, hein? Ce serait sympa de voir des caméos d'autres des Avengers, quoi. Bon, alors après, je sais pas c'est qui les membres des Avengers, hein. Comme je vous disais, moi je connais que les films de Marvel. Voilà, je me suis tapé que les films et encore je les ai pas tous vus. Le dernier film Marvel que j'ai vu, c'est... Attendez. Avengers... Putain, c'est... Oh là là. Attendez. C'est aussi vieux que ça? Non, sérieusement, je crois qu'en fait le dernier film que j'ai vu c'est Avengers. Je suis en train de réfléchir là parce que attendez. On est à la pote. Il y avait des films qui m'intéressaient par exemple comme Black Panther. Ah non, je dis des conneries. Le dernier film que j'ai vu et que j'ai en Blu-ray parce qu'il m'intéressait, c'est Civil War. Voilà, Captain America Civil War. C'est le dernier film que j'ai vu du Marvel Cinematic Universe. Après, Thor 2, je l'ai pas vu. Avengers 2, je l'ai pas vu. Infinity War, je l'ai pas vu. J'ai oublié plein de trucs. Pas trop mon délire. Bon, là, une petite phase en Peter Parker. Voilà, je vais vous montrer un peu les énigmes, si on peut les faire. Si on a des nouvelles qui se sont... regardez, que ressemble notre Peter. Il a donc 23 ans, il me semble qu'ils disent. Voilà. Il a déjà eu son histoire avec Mary Jane. Apparemment, ils ont cassé. Voilà, désolé. Ah, je vous le dis, hein. Voilà, quoi. Mais ça, c'est dit au début du jeu, donc... voilà, quoi. C'est pas du spoil. Bon, attendez. Je vais regarder. Alors attendez, on va faire des petits jeux là. Il y a des petits trucs de scientifiques, genre. Est-ce que je les ai fait? Ouais, bah ouais, regardez, c'est ça les points de je sais pas quoi, de laboratoire ou je sais pas quoi. Mais pour l'instant, je peux pas. C'est tout verrouillé, je peux rien faire. Hop. Parce que la première fois qu'on arrive dans cet endroit là, moi je peux vous dire que j'ai fait tous les mini-jeux. Hein, rien à foutre. Ah ouais. Plus je me débarrasse. Plutôt. Et là, est-ce qu'il y a des nouveaux. Je pense pas. Hein. Si dans l'autre. Non, voilà. Évidemment. Alors que j'avance un petit peu dans le jeu. Que j'ai fait beaucoup d'à côté du jeu. Et donc du coup, j'ai pas très avancé dans l'histoire principale. Je me souviens du jour où je suis venu passer mon entretien. Moi, je suis arrivé avec une chemise tachée et 10 minutes de retard à cause d'un braquage. J'en reviens pas que le doc m'ait quand même accepté. J'espère qu'il le regrette pas. Alors quand tu parles du doc, c'est pas celui de c'est pas celui de Retour vers le futur. Hein? C'est ni celui de One Piece Passion TV. Non, c'est Otto Octavius. Bon, même si je sais qui va devenir, mais si vous savez pas, je vous spoilerai pas sur ce coup-là. Mais bon, voilà, c'est un personnage qu'on connaît des comics. D'ailleurs, attention, attention quoi.
Oh, je sais plus. Désolé, je vois un petit coup là. C'est à force de parler, hein. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Donc bah écoutez, ça je sais pas, ça c'est les postes de police, ok. Est-ce qu'on va au fist? Parce que là je serai toujours en Peter Parker. Mais regardez ce travail bien accompli là. J'ai tout débarrassé des photos, des machins et tout. Mais quel talent, oh là là. Il me restera donc que la partie supérieure à faire. Ah non là, oh là on ira. La partie supérieure il me reste à faire. Mais non, mais attendez, je... Non, c'est pas possible. Serais-je aussi excellent que ça? Attends, j'ai tout fait. Faut que je respire si j'ai tout fait. Mais regardez, il y a plein de trucs à faire. Monument, verrouillé, 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 verrouillé. Crime, après, c'est peut-être d'autres crimes à faire. Non, je sais pas. 0 sur 1, dadadada. Voilà, il me reste... Attends, c'est pas le dernier bâtiment. Et this is not... Attends, c'est pas possible. J'ai dû en oublier. Sinon, attention, on va la finir ensemble, cette quête. Mais si, mais j'ai tout fait. Mais je suis un taré dans ma tête, moi. Mais je suis un fou, moi. Je suis un psychopathe. Allez, vas-y. Oui. Ah, 3 km. Bon, il va se passer des choses, il y aura des crimes à résoudre. Donc voilà. Et après, une fois qu'on aura fini cette quête, bah, je vous laisserai ici. J'espère que vous avez apprécié ce temps en ma compagnie. Donc, attendez, avant que je vous dise ça, hop, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'avais un... Bon, désolé, je conduis pas très bien le Spider-Man. Je conduis. Le mec, il conduit Spider-Man. C'est n'importe quoi. Alors, par contre, ouais, j'ai entendu dire qu'il y avait un jeu Avengers qui se préparait, mais du côté de chez Square Enix. Est-ce qu'il pourrait nous faire le Marvel Game Universe? Gaming Universe? Parce que là, le jeu, le titre du jeu complet, c'est Marvel Spider-Man. Donc, ils ont eu un petit contrôle dessus. Évidemment, hein, si vous savez pas, c'est parce que, bon... si vous savez pas pourquoi c'est une exclu Sony. Tout simplement parce que Sony ont les droits sur Spider-Man. Cinématographique. Mais après, vidéoludique... je savais pas ça. Enfin, pour moi, c'est comme ça que j'ai raisonné. Je me suis dit, bon, s'ils ont les droits du cinéma... Ils ont les droits dessus sur ce personnage. Mais à quel point ils ont les droits dessus? C'est pour ça que je me suis pas posé la question. Moi je pense que c'est ça, hein, très sincèrement. Hop. Allez, nickel. Allez, on y est. Allez, Spidey, tu peux le faire. Ouais. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y aurait un Marvel Gaming Universe? Mais bon, ça me paraît gros, hein, de commencer direct par un jeu Avengers. Ça me paraît un peu gros quand même. D'ailleurs, ça me fait penser. S'ils font comme dans les. Wouah, mais comment je vais là-bas? Attends. Je parie que je peux passer par là. Ouais, si, je peux passer par là. Oh, oh non! Éloignement de la zone, vous quittez la zone jouable. Bon, bah, je peux pas le faire ici. Mais comment je vais là-bas? Dis-moi pas qu'il faut que j'aille à la nage. Parce que oui, avant que je parlais des jeux, tout ça. Ouais, les développeurs, ils m'ont BU, ces connards. Attendez. C'est que je pensais que si on touchait l'eau, on mourrait, mais en fait, non. On va juste dans l'eau. Allez. Hop là. Ils m'ont bien eu. Attendez. Ouais, mais il va trop lentement à la nage, c'est pas possible. Non, je peux pas faire comme ça. Il doit y avoir un moyen. Attends. Voilà, il doit bien y avoir un moyen. Hey Stevie, bat un peu. Comment je vais là-bas? Bah attendez, mais sérieusement, comment je vais là-bas? Parce que je peux pas aller ici, ça veut dire vous quitter la zone de jeu. Putain, dis-moi pas que c'est... tu sais quoi? Ah mais non, mais je suis con, j'ai pas besoin d'y aller. Putain, mais quel abruti. Le raft. Et voilà. Quand une simple prison haute sécurité ne suffit plus. Monument terminé. Bon bah nickel. Salut. Hey. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Allez, trophée tourisme. Bon bah nickel, hein, j'ai eu toutes les photos. Je suis tellement con, je voulais y aller. Mais c'est bizarre qu'ils aient modélisé. J'en suis sûr, on va y aller. Ils l'ont pas modélisé pour rien. Obligé. D'ailleurs, cette île là, on peut pas y aller.
Ça, vous savez ce que ça sent? Ça sent les DLC. Mais putain, mais je sens tellement les DLC venir. Bon bah écoutez, mais c'est une nuit sans crime. C'est incroyable ça. Tous les criminels ont décidé de pas venir me faire chier. De rester chez eux. Il fait nuit. Alors que d'habitude, comme on dit, quand la nuit tombe, tous les criminels sont gris quoi. Et là non, rien que dalle. Incroyable. Incroyable, incroyable. Ouais, je vous parlais du jeu Avengers par... Ah, j'adore ça. Du jeu Avengers par Square Enix. Un jeu Avengers, d'accord, très bien. Donc ça veut dire qu'on va... À mon avis, on contrôlera pas qu'un personnage. Une équipe peut-être... un jeu coop, en ligne. Ah ! Comme ils avaient sorti un Marvel Ultimate Alliance ou un... Ouais, c'était ça. Qui n'est plus sur le PlayStation Store, hein. Qui a disparu, évidemment. Hop. Si vous l'avez acheté, vous pouvez le télécharger encore, toujours. Donc j'ai toujours la démo de Pity, hein. Je l'ai pas effacé, je me suis dit, allez, ça fera un souvenir. Voilà. D'ailleurs, ça m'avait fait délirer, ça. Il y avait des gens qui essayaient de vendre... leur PlayStation avec le jeu de Pity. Les abrutis, quoi. Bon, bah écoutez, y a rien à faire. J'ai tout fait. Attends. Ah, voilà, ouais. Il y a enfin des malfrats. Ils sont où? Attendez, ils sont où? Le trafic de drogue s'est intensifié depuis que Fisk est plus là. Je peux pas laisser. Salut les gars, désolé, mais voilà, on vote pas de drogue, c'est la drogue, c'est pas bien. Je suis pas. C'est mal, vous voyez. Surtout dans les petits tours. Fou, putain, enculé. Allez, on se soigne un petit peu. Hop. On va pas, je vais pas me faire chier. On fait un multi. Un petit tourbillon. Ouf. Hop. Désolé, mec. C'est pas bien de faire ça. La drogue, c'est mal. Oh putain, il y a eu du renfort. Oh putain, c'est des Chinois. Rien de raciste, hein, mais voilà. Par rapport au jeu, tout ça, l'histoire. Putain, mais des nouvelles. Ah ouais. Ils sont vénères, ces Chinois. Mon fils qui tenait tous ces dealers en laisse. Oh, mais attendez. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que. Il me manque? Oh non. Eh bien sûr que non, il te manque pas. Les policiers arrivent. C'est pas qu'on un petit autographe. Moi, mais je vais pas prendre de risque. 471. Bon, bah écoutez, je peux vous montrer une petite dernière baston. Yeah, hop. Voilà, attendez, on va essayer. Voilà, on va, je vais vous faire un petit plan jeu de. Hop. Ah, mais il y a aussi un mode photo. Attendez, je vais vous le montrer. Parce que j'avais bien aimé. Unité en patrouille, répondez. Oh putain, une unité en patrouille, les gars. Rendez-vous à Dutchtown. C'est où Dutchtown? La ville des Allemands. Oh là. Oh là. Oh putain. J'allais arrêter la vidéo. Ils se sont dit, ben non, on peut pas se quitter comme ça, voyons. Hein, on va faire sortir des criminels à ce moment-là. Oh là là. Oh putain. Oh. Salut. Moi j'arrive comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Wouh. Oh là. Vous voyez le bon côté. Et voilà, bon c'est fait en 2 temps 3 mouvements. Beaucoup plus longue. Voilà. Bon bah écoutez, cette fois-ci on va vraiment s'arrêter là, je pense. À moins qu'on ait un autre appel téléphonique. Enfin, téléphonique. Télé. Oh non, pas un appel radiophonique plutôt. C'est plutôt ça. Hop. Je sais, ma destination elle est plus à l'arrière, mais. J'ai envie de monter en haut d'un immeuble. Voilà, pour vous offrir une vue d'ensemble, une très belle vue. Hop. Oh là, oh bah magnifique. Merde. Attends, c'est là plutôt. Voilà, L3. Voilà, regardez. Oh là 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 là. Magnifique. C'est laquelle, la tour des Avengers? Il me semble que c'est elle, hein. Voilà. Bon là ça fait très mosaïque Minecraft, hein, de loin. Comme c'est coloré, mais bon. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce petit gameplay en ma compagnie. C'était Revan
sur Radio Revan. Bon, j'arrête mes conneries. Donc voilà, moi je vais continuer un petit peu le jeu. Voilà, franchement, je suis très content de Spider-Man. Il me donne bien envie de jouer. J'apprécie le faire, j'apprécie ce que je fais dans le jeu. Le fait qu'on a un but à faire toutes les activités annexes, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Eh non, attendez, j'ai oublié le mode photo. Voilà, bon bah alors vous pouvez prendre des photos, tout ça, nanani, nanana. Oh là là, oh là là. Oh putain, attendez. Hop, voilà, une petite photo, hop, que je vous disais, vous normal. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est les cadres en fait qu'ils ont mis. Attendez, hop, voilà, le cadre. Allez, alors vous avez, bon, vous avez ça. Mais ça se relaie à tout un peu à, voilà, le panneau. Bon, cette pose elle est dégueulasse, mais c'est juste pour vous montrer. Hop, genre l'appareil photo. Ah, j'ai réussi à prendre une photo de Spider-Man. Non, je ne suis pas Peter Pan. Oh, attends. Un justicier. La ville. Il est prêt à se plonger et à combattre le crime. Putain, alors là, c'est la pose typique. Attendez, je vais prendre le bon truc. Voilà, cinéma. Le petit jour comme ça et tout, c'est comme je l'ai dit, j'ai trouvé ça bien sympa. Là, 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 là. C'est dommage, on peut pas écrire un truc dedans. Vous avez pendant ce temps, meanwhile, mais surtout la pose comics, voilà. Tu fais ton propre comic Spider-Man. Je sais pas pourquoi je chante Terminator, ça n'a rien à voir. Voilà. Attendez. Il faut qu'on le. Un peu en entier, comme ça, un peu plus comme ça. Alors, on va se faire notre petite couverture. Et voilà. Attendez, j'enlève le. L'IU. L'instinct ultra. Voilà. Même dans Spider-Man. Sauf qu'ils ont inversé, c'est l'ultra instinct, c'est lui. Enfin bref. Donc voilà. Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Magnifique.